Je dois te confesser quelque chose, c'est que j'ai l'impression qu'au niveau personnel, je suis passé à côté d'une partie de ma vie. Et dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais, écoute, à la fois te raconter mon histoire, te dire, au niveau professionnel quand même, tout ce que j'ai fait, mais aussi avec quelles difficultés. Et au niveau perso, en quoi est-ce qu'aujourd'hui, je sens qu'il y a des choses que j'aurais pu faire beaucoup mieux, et surtout, te partager mon plan aujourd'hui, ma stratégie que j'applique en 8 étapes pour pouvoir être sûr que au niveau pro comme au niveau perso, je vais vraiment vers mes rêves, vers mes projets, vers mes objectifs. Salut, c'est Jérôme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si tu es comme moi, que tu as l'impression, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso, que tu ne vas pas jusqu'au bout de tes projets, que tu manques d'énergie ou de motivation, enfin que tu pourrais améliorer les choses, j'espère que cette vidéo pourra t'apporter un peu mon retour d'expérience et surtout t'être utile. Alors, laisse-moi d'abord te raconter une partie de ma vie, t'expliquer ce que j'ai réussi, surtout ce que j'ai raté, parce que, à mon sens. Et puis, première étape, ça va être très personnel, hein. Par les mouchoirs. Non, je rigole. Et dans la deuxième partie, je vais te partager mon plan, ma stratégie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été formateur en gestion de trésorerie, j'ai été opérateur pétrolier, chargeur de pétrole dans les wagons, j'ai été acheteur aéronautique, j'ai été importateur de 4x4. J'ai fait quand même pas mal de choses dans ma vie. Et dans tout ça, je me suis quand même tapé 3 burn-out, dont quand même un très sévère. Et ça, c'était burn-out au niveau professionnel. Et je me suis dit, ouais, au niveau professionnel, quand même, comme j'ai un problème avec l'autorité, souvent ça s'est mal fini en tant que salarié pour moi, mais ce n'était pas un problème de compétence, ce n'était pas un problème de résultat, bien au contraire, puisque j'ai été classé dans les meilleurs formateurs en gestion de trésorerie de l'entreprise pour laquelle je travaillais, qui était le leader mondial à l'époque des logiciels de gestion de trésorerie. Lorsque j'étais acheteur dans l'aéronautique, j'avais des félicitations des clients internes et des clients externes militaires, ce qui sont les plus difficiles. Donc, laissons de côté le problème de relation avec la hiérarchie. Je me suis dit, mais comment ça se fait que finalement, avec ces burn-out, je suis quand même allé très loin? Très loin dans la satisfaction client, très loin dans la maîtrise de mes métiers, parce que j'étais un des meilleurs formateurs, c'est pas pour rien. C'était pas uniquement d'être gentil avec les clients. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ces projets-là, je les ai réussis, je pense, parce qu'à l'époque, c'était pas moi qui gérais mes priorités. Aujourd'hui, j'ai appris à gérer mes priorités, à gérer mes objectifs, mais à l'époque, j'en étais pas capable. Et ça a été d'ailleurs, je t'en parlerai après, je pense une partie de mes échecs au niveau personnel. Mais là, ce qui était bien, ce qui était confortable en tant que salarié, c'est que c'était quelqu'un d'autre, c'était un patron, c'était une entreprise qui définissait mes objectifs et moi, j'avais juste à me focusser là-dessus. Il se trouve que, je ne suis pas le seul, hein, comme beaucoup de personnes, j'ai une très grande conscience professionnelle et je me suis retrouvé à me mettre des pressions, mais énormes. Je vais juste te raconter ça. Lorsque j'ai été formateur en gestion de trésorerie, mon process de formation en interne a duré 2 mois et demi. Okay. Et je me trouvais nul. Je me trouvais lamentable parce que je suivais des gens qui étaient formateurs depuis des années. Et donc, quand je les suivais pour me former, je voyais leurs compétences, je voyais leur pédagogie. Enfin, je voyais, j'étais un débutant. Et au bout de 2 mois et demi, je vais en clientèle et tous les mois, tous les formateurs avaient on appelle ça un ranking. On était classé par la satisfaction client. C'est que chaque client remplissait un questionnaire à la fin de la formation. Et quelle n'a pas été ma surprise sur les plus de 50 formateurs, le premier mois où j'ai été classé comme ça, j'ai fini 3e ou 4e. J'ai jamais été en dessous du 10e. En général, j'étais 5e, 6e formateur sur les 50. Donc, dans les 10 meilleurs, dans les 10% les meilleurs.
Parce que, en fait, je me mettais tellement la pression pour maîtriser mon métier. Quand j'allais en clientèle, c'était, mais j'étais vraiment en panique en me disant, mais si je n'ai pas la réponse, si vraiment je trouve la réponse, je me mettais une pression énorme, trop, trop, trop. J'ai adoré ce métier-là, ça a duré 3 ans, ça a fini vraiment en burn-out, en épuisement, parce que je me sacrifiais toute mon énergie, en tout cas la semaine. Je consacrais toute mon énergie, mon temps, mon focus sur ce métier-là, parce que ça me passionnait, hein, j'étais vraiment content de ça. Et puis, bah, du coup, au détriment de mes réflexions, de mes projets personnels. Quand j'ai été acheteur dans l'aéronautique, en fait, c'était pas du tout mon cursus, et il a fallu que je mette 1 an et demi, abandonné par mes hiérarchies qui m'avaient promis de m'accompagner pour me former. J'ai été abandonné et j'ai mis 1 an et demi avant d'atteindre vraiment le trou du trou du trou. Et puis après, voilà, je me suis dit, bon, maintenant ça suffit, je peux pas aller pire que là. Je me suis fait un burn-out ici très sévère. Et je me suis dit, je vais laisser passer l'orage des hiérarchies insatisfaites, mécontentes, et maintenant je vais faire à mon rythme, et c'est moi qui vais gérer mes projets. Et j'ai commencé du coup à gérer mes priorités. Je me suis rendu compte que si je comptais sur mes hiérarchies, là en l'occurrence, dans une grosse entreprise dans l'aéronautique comme ça, ça m'avait amené au burn-out parce qu'elle m'avait trahi, m'avait abandonné, c'est ce que j'avais ressenti. Et puis finalement, voilà, en 2 ans, mon chef allemand était étonné que je sois un des meilleurs acheteurs de son équipe et que en interne, les gens étaient passés de vraiment insatisfaits, furieux contre moi au début parce que je ne maîtrisais absolument pas, à grande maîtrise de mes dossiers et puis félicitations en interne des clients et en externe. Bon, ok. Donc, pour te montrer un peu à quel point je me suis sacrifié pour mes carrières, pas dans un espoir de faire carrière, de monter les hiérarchies, non, c'était vraiment juste de me dire, il faut que je fasse mon métier bien. Donc, vraiment, pas de quoi être fier quand même. Et du coup, au niveau personnel, je me prenais pas le temps de la réflexion de ce que je voulais faire dans ma vie. Est-ce que je voulais un couple, ou est-ce que je voulais m'installer, est-ce que je voulais investir. J'étais vraiment, en fait, c'était toute mon activité professionnelle qui donnait le rythme, qui consommait énormément d'énergie et de temps. Ça m'arrivait de faire des journées où j'arrivais à 7h du matin et je repartais à 10h du soir. Voilà, bon, ça n'a pas duré des mois parce que ça a fini, j'étais épuisé bien entendu, mais à l'époque j'avais une copine, elle hallucinait finalement. Je partais, je me réveillais avant elle le matin, j'arrivais, je mangeais, je me couchais, j'étais pas opérationnel, j'étais pas du tout... J'étais pas du tout dans une relation de couple, on va dire, pour pouvoir profiter des moments avec sa copine. Bon. Et puis, aussi, c'est que je commençais à avoir des projets, à avoir des envies, à me dire, tiens, je vais investir, tiens, je vais lancer un projet d'importer des véhicules d'Allemagne, tiens, je vais lancer... Enfin, je commence à un moment un peu à me dire, bon, faut que je m'occupe de mes projets à moi. Et je me rendais compte que je m'enthousiasmais. Je me lançais, et puis au bout de quelques semaines, au pire quelques mois, en fait, je passais à autre chose. Il n'y avait pas de constance. Je n'avais pas de constance. Dis-moi d'ailleurs, toi aussi, si ça te parle, est-ce que tu es comme ça? Est-ce que tu es comme j'ai été? Et en fait, ça s'est mal passé comme ça, jusqu'au moment où j'ai pris le temps de réfléchir. Je me suis formé, je me suis informé, j'ai lu, j'ai pris des coachings, etc. Et là, du coup, je me suis connecté et ça a bien marché jusqu'au moment, en fait, la première fois où un projet est allé jusqu'au bout et il a réussi, c'est quand j'ai livré ma première croisière pour entrepreneur, chef d'entreprise, investisseur. Une croisière autour de Saint-Tropez, dans le Var, aux îles de Porquerolles, un lieu exceptionnel. C'est là où je navigue depuis l'âge de 10 ans, je connais par cœur. Je connaissais mieux que le skipper, d'ailleurs, que j'avais embauché pour la semaine. Et à la fin, en fait, toute la vision que j'avais nourrie pendant 2 ans, le temps d'affiner ce projet-là, de le commercialiser, de ce que je pensais qu'allaient vivre mes clients, quand j'ai demandé à mes clients s'ils étaient OK de me faire un témoignage vidéo, en fait, j'en ai chialé quand ils m'ont expliqué tout ce qu'ils avaient vécu pendant cette semaine, ce qu'ils avaient adoré, l'émotion qu'ils avaient... ressenti, et c'était exactement ce que j'avais visualisé pour eux. Je me dis, waouh, c'est incroyable, j'ai pu
visualiser ce qu'ils allaient vivre, j'ai pu poser des actions, j'ai pu délivrer et j'ai eu cette récompense en fait d'être allé jusqu'au bout et d'avoir la satisfaction du travail bien fait, mais d'être allé jusqu'au bout de mon projet. Ok ? Donc, je voudrais, avant de rentrer dans le détail, te faire un petit peu, moi, mon analyse, ma réflexion, comment je perçois mon avant et mon après. Qu'est-ce qui était mon fonctionnement avant et qu'est-ce que j'ai changé, si t'es OK. Si t'es pas OK, tu vas un peu plus loin dans la vidéo pour aller directement au process que j'utilise maintenant. Avant, en fait, j'avais l'image, et ça me faisait sourire, j'étais content de ça, que dès qu'il y avait une difficulté, c'était pour moi comme un rocher au milieu d'un torrent, voilà, l'eau qui descend de la montagne, je contournais l'obstacle. J'étais content, très fier, en me disant « Ouais, moi je suis spécialiste, dès qu'il y a un obstacle, je le contourne. » Ouais. Et puis, du coup, j'étais dans une stratégie du moindre effort. C'est-à-dire que dès qu'il y avait deux, trois projets sur lesquels je pouvais me lancer, je prenais celui qui allait me demander le moins d'efforts, le moins de problèmes. Cette stratégie du rocher au milieu du torrent, de contourner le problème. Et donc, dès qu'il y avait une difficulté qui apparaissait, tu as bien compris, je changeais de direction, voire je changeais de projet. Ce que je t'expliquais il y a quelques minutes. Et au bout du compte, le Jérôme, il ressentait beaucoup de frustration et j'avais pas de réussite parce que j'allais pas jusqu'au bout de mes projets. Parce que justement, je contournais les problèmes. Ok ? Donc, on va dire que c'était pour moi ma stratégie du contournement du rocher quand l'eau elle descend de la montagne et hop là, je rencontre un problème, je vais sur le côté. Maintenant, je me suis rendu compte que justement, le succès, c'est pas de subir la gravité. C'est pour ça que je t'ai pris l'image, pour moi elle est très parlante, de l'eau qui descend de la montagne. L'eau là, elle subit la gravité. Elle part de la montagne, elle va jusqu'à la mer. C'est pas parce que l'eau elle a décidé d'aller à la mer, c'est juste que elle suit la gravité. Et dès qu'il y a un rocher, la gravité fait qu'elle va partir sur le côté pour continuer à descendre. Et en fait, le succès pour moi, j'ai compris que c'était pas ça. Le succès, c'est plutôt de choisir la montagne que l'on veut gravir et de se donner tous les moyens d'arriver au sommet. C'est-à-dire que le succès, c'est justement de savoir qu'il va y avoir des efforts. Parce que ça va pas être la facilité de descendre de la montagne jusqu'à la mer, mais ça va être de dire, ok, de toute façon, si je fais ça, si je descends de la montagne jusqu'à la mer, le résultat à la fin, c'est que je serai au milieu de toutes les mêmes personnes qui ont déboulé dans leur vie, c'est-à-dire qui se sont laissées porter et qui arrivent dans l'océan ou dans la mer. Tout le monde à l'arrive, toutes les gouttes d'eau, les molécules d'eau qui descendent de la montagne, elles arrivent toutes à la fin dans une mer ou dans un océan. Et donc, quelle est la différence ? On arrive dans un magma. On n'a pas spécialement réussi ses projets, ses objectifs, parce qu'on a fait tout ce que tout le monde a fait. Tandis que là, du coup, la montagne, je suis dans la plaine, et je me dis, c'est cette montagne-là que je veux gravir. Pourquoi ? Parce que cette montagne, elle me parle, parce que c'est mon hobby, parce que tout un travail, je ne vais pas en parler aujourd'hui, parce que cette montagne, elle a plus de potentiel qu'une autre montagne, etc. etc. Bon. Et à partir de là, je me dis, il va falloir que je fasse des efforts tous les jours, chaque semaine, chaque mois. Il va falloir que comme un alpiniste, à un moment, je fasse des pauses, que je passe du camp de base au camp numéro 1, au camp numéro 2, au camp numéro 3, que je prenne le temps de me poser, éventuellement de me dire, ok, là la météo n'est pas bonne, l'économie n'est pas bonne, donc il va falloir que je fasse une pause, etc., etc. Mais du coup, de poser des actions pour arriver à gravir cette montagne que j'ai moi choisie. Et puis autre chose que je me suis rendu compte, c'est que tous les paradigmes, toutes les croyances, la façon les façons de voir la vie que j'avais, il a fallu que je les remette en question sur énormément de points. Et ce qui est assez marrant, je ne sais pas si toi tu as commencé ce chemin-là, tu te rends compte que pour réussir, en fait, il faut souvent faire des choses que l'on ne considère pas logiques. Ou que l'on considère pas naturel. C'est pas qu'elles sont pas naturelles, c'est pas qu'elles sont pas logiques, c'est que on nous a éduqués avec un système qui fait que ce qui pour nous, à partir de cette éducation-là, nous semble naturel ou logique, nous amène à être de bons salariés, nous amène à être de bons cadres, de bons ouvriers, de bons agents de maîtrise, mais nous amène pas à être des créateurs, nous amène pas à être des indépendants, chefs d'entreprise, porteurs de projets, puisque là, il va falloir
avoir d'autres façons de voir le monde, d'autres paradigmes. Et donc, du coup, il a fallu que je me rende compte des paradigmes qui me posaient problème, d'aller voir en fait quels étaient les nouveaux paradigmes qu'il fallait que je prenne en considération. Et puis, une fois que j'avais fait ce travail-là, c'est travailler à mettre en place de nouveaux paradigmes, ce qui demande de l'effort et du temps. Donc voilà aujourd'hui ce qui me semble les 8 étapes importantes pour pouvoir réussir ces projets, c'est premièrement se connaître. Si je choisis une montagne en particulier, c'est que cette montagne-là me correspond. Elle ne correspond pas à mon voisin. Peut-être que mon voisin, quand je suis dans la plaine, lui, c'est une autre montagne qui l'intéresse. Par contre, à partir du moment où j'ai décidé que telle ou telle montagne, c'était ce qui me correspondait, parce que je me connaissais, peut-être que je trouverais des gens qui voudront gravir cette même montagne. En tout cas, c'est déjà de se connaître. Connaître ses qualités, connaître ses défauts, connaître ce qui me fait vibrer, connaître ce qui me draine de l'énergie. Par exemple, moi, au niveau commercial, closing, ça me prend de l'énergie. Donc peut-être qu'un jour, je serai un bon closer, un bon vendeur, mais... Non, aujourd'hui, j'essaye de faire autrement et en tout cas de focusser mon énergie, mon travail sur des choses qui vont me permettre de réussir mes projets malgré cet inconvénient-là. Donc, bien se connaître. Ensuite, deuxième étape, c'est qu'il faut choisir ses combats. Avant, quand je déboulais de la montagne, systématiquement, dès qu'il y avait un combat, je l'évitais, je le fuyais. Or, si je veux arriver à la montagne, il y a éventuellement plusieurs chemins. Et à un moment donné, je vais avoir différentes difficultés et peut-être qu'il faudra que je mette le focus sur une seule difficulté, qu'un seul problème, un seul combat. Mettre le focus, c'est super important. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Dis-moi hein, si tu penses que tu... Enfin, c'est une autre façon de voir. C'est une discussion, cette vidéo. Hein. C'est pas... Je ne te donne pas des leçons. Là. Donc, choisir ces combats. Où est-ce que je mets le focus? Ensuite, c'est affecter des moyens. Une fois que j'ai décidé d'aller... atteindre telle montagne, que j'ai décidé de dépasser telle problématique, c'est quels sont mes moyens en temps. Combien de temps je vais consacrer en jours, en mois, en années pour pouvoir dépasser ce problème-là ou atteindre tel objectif dans tel projet. Les moyens en argent, bah oui, il faut que je me forme, il faut que éventuellement j'achète de la sous-traitance, j'achète des moyens techniques, etc. Et puis en énergie. Quel est le temps, enfin, quels sont les moyens énergétiques, quelle est l'énergie que je vais consacrer à tel ou tel projet, à telle ou telle montagne. Quatrième, pour moi, étape importante, c'est se former et ou s'entourer. C'est-à-dire que, tu vois, il a fallu que je me forme depuis ces dernières années au web marketing, à tout ce qui est web, c'est-à-dire comment créer un site internet. Je me suis formé à ce que tu es en train de voir, c'est-à-dire comment construire des vidéos, comment arriver à les scripter, comment arriver à les publier, etc., etc. Je me suis formé sur plein de sujets. Il a fallu que je sorte de l'argent. Ça revient sur le point précédent, c'est mettre des moyens en temps et en argent. Ou alors s'entourer. S'entourer quand, par exemple, il y a quelques années, j'ai co-créé la croisière Napoléon Hill avec des spécialistes francophones de Napoléon Hill. Voilà, ils avaient la communauté, ils avaient une façon de communiquer, et donc je me suis entouré sur plein de projets, en fait. J'ai compris qu'en fait, il ne fallait pas que je reste seul. Donc, se former, s'entourer. Ensuite, donc, c'est l'étape numéro 5, c'est agir. Mais vraiment agir en lâchant les brides. Tu as dû peut-être m'entendre si tu regardes régulièrement mes vidéos, c'est faire est mieux que parfaire. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est ce que j'appelle, moi, mon défi d'action imparfaite. Voilà, je préfère tous les jours poser une action imparfaite. Cette vidéo que tu es en train de regarder est certainement imparfaite. Là, j'allais dire, à un moment, je vais bégayer, je viens de rater mon imparfaite. Et c'est OK, je ne vais pas refaire cette vidéo-là. Parce que pour moi, le plus important, c'est de faire. Par contre, c'est chaque semaine ou chaque mois de me dire comment je peux améliorer. Et je me rends compte qu'en un mois de création de vidéos, je me suis considérablement plus amélioré que de ne pas faire de vidéos en me disant je vais m'entraîner, je vais me former, et puis dans un mois, je ferai ma première vidéo. Finalement, tu as tellement peur que tu ne la fais pas. Enfin, c'est comme ça que je fonctionne. Ok, donc agir. Analyser ses résultats, je t'en parlais un peu précédemment. Donc, à un moment, prendre un week-end, de prendre un week-end par mois, de prendre une demi-journée par semaine pour se dire « Ok, quels ont été mes résultats ? Voilà où j'en suis arrivé, quelles ont été mes vues sur YouTube, quelles ont été mes ventes ?» Voilà, de prendre le temps d'analyser ces résultats. Étape suivante, c'est « Ok, bon, j'ai eu ces résultats-là parce qu'à un moment, j'avais créé un process. Comment je peux modifier mon process ?
en me disant, tiens, si je modifie ça, est-ce que j'aurai des résultats différents dans une semaine ou dans un mois? La dernière étape, étape 8, ben finalement, c'est de recommencer. Ben du coup, tout ce que j'ai fait pendant un mois de création de vidéos m'a permis de mieux me connaître. Je sais que, ben par exemple, ça m'amuse, la technique m'amuse, mais par contre, je suis trop stressé quand je regarde directement la caméra. Voilà, enfin, j'ai appris à me connaître, etc. Et donc, je redéploie mon process. Voilà ce que je pouvais te proposer. Dis-moi ce que tu en penses. Et dis-moi, toi, si tu, dans un projet, tu souhaiterais mettre en place ce process. Et si tu souhaites d'ailleurs en discuter, tu as la zone commentaire sous cette vidéo. Ou alors, eh ben, y a un canal Telegram, un groupe Telegram. C'est-à-dire que c'est pas un groupe où moi je communique et tout le monde écoute. Non, non. C'est un groupe sur lequel on a différents sujets. Et on parle des différents sujets, on échange, tu peux poser une question, tu peux dire, ben voilà, moi, sur telle vidéo, ben voilà comment je veux appliquer dans tel projet, et tu nous partages, si tu le souhaites. Voilà. Tu as la possibilité de regarder cette vidéo, et il suffit de cliquer dessus, et à ce moment-là, elle va se lancer, tu vas voir, c'est encore un sujet passionnant, et puis pense à t'abonner si tu as trouvé, puisque tu as trouvé cette vidéo utile, parce que si tu es encore en train de la regarder, c'est qu'a priori, voilà, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à cette vidéo. Clique ici et on regarde la prochaine vidéo ensemble. Enfin, c'est moi qui vais parler en fait. Enfin, tu m'as compris quoi. Tu vois, là c'est un truc imparfait. Mais c'est ok, je vais le laisser. À tout de suite.